Les élèves de design de produits de l'ESDAC ont participé en février dernier à un workshop au Fab Lab de la fruitière numérique à Lourmarin. L'idée, c'était de leur faire découvrir l'utilisation des outils de fabrication numérique, parce qu'on se trouve dans un lieu un peu singulier, au cœur du Luberon, dans un petit village provençal. Et on va avoir la possibilité d'utiliser des machines high-tech, notamment une découpeuse laser très performante, une fraiseuse numérique et des systèmes d'impression 3D que les étudiants maîtrisent déjà. La fruitière numérique, très brièvement, c'est un lieu de 3000 m² qui est entièrement dédié au numérique. On parle beaucoup des déserts médicaux. Ben là, il y avait un espèce de désert numérique sur le territoire et la fruitière est venue finalement combler ce vide. C'est l'ancienne coopérative de fruits et légumes. C'est pour ça qu'on a mis ce mot fruitière numérique. On aurait pu en faire un lieu purement culturel, d'exposition, de choses comme ça. Mais bon, on voulait quelque chose de nouveau, tourné vers l'avenir. Aujourd'hui, il faut quand même reconnaître que le numérique, ça ne va pas remplacer l'intelligence humaine, mais ça permet de décupler les projets humains. Lourmarin, c'est un village touristique, donc la fréquentation régionale, elle est énorme. Mais les gens, ils viennent uniquement faire du tourisme, visiter, découvrir, etc. Là, la fruitière, ça leur permet de venir travailler, de venir créer. Ce workshop des étudiants, nous, on a voulu l'accueillir parce que c'est aussi une façon très concrète de montrer à quoi peut servir le Fab Lab qu'on a ici. Là, cette semaine, on a appris énormément sur des notions d'impression, des notions de découpe laser. Et du coup, on était vraiment très très bien accompagnés par toute l'équipe. Le vrai intérêt, c'est que du coup, on a pu communiquer et faire évoluer des projets super intéressants. On a différentes personnalités qui se mélangent, ils vont déteindre un petit peu les uns sur les autres. Ils vont pouvoir bénéficier des compétences techniques que certains maîtrisent, alors que d'autres seront beaucoup plus créatifs, beaucoup plus ouverts, vont déborder d'idées. Et c'est un petit peu l'idée de mixer tous ces profils, toutes ces personnalités pour créer vraiment une communion, quoi. Et c'est ce qui s'est passé. À l'issue du workshop, les élèves ont présenté leurs travaux réalisés durant la semaine et le résultat a conquis leurs professeurs ainsi que les professionnels de la fruitière. Je suis vraiment vraiment contente d'avoir pu les accueillir une semaine ici. Le résultat est vraiment bluffant pour des premières années. Les projets sont vraiment aboutis, il y a de l'idée. Ils ont su se servir un peu de toutes les technologies qu'on met à disposition ici. Je trouve qu'il y a énormément de résultats, des produits assez finis, et des choses qui sont vraiment fonctionnelles. Donc ils ont vraiment bien bossé, donc je pense qu'ils peuvent être fiers d'eux. On a vraiment vu la montée en puissance de la semaine et de l'ébullition un peu créative. Puis ça nous a fait une petite semaine un peu rafraîchissante, on avait de la musique en bas toute la semaine, donc voilà, ça fait du bien aussi de voir que le territoire c'est aussi ça, il y a des jeunes, il y a des idées, il y a des outils qui existent. Thank you.